Quand tu dois laisser quelque chose pour quelque chose, là, il faut être vraiment, vraiment courageux. Il faut bosser dur. Sinon, c'est pas bon. Même si tu tombes là, il faut savoir te relever. L'élevage, c'est quelque chose qui me plaisait. Voilà, j'aime les animaux. Après l'école, j'ai fait un peu de la photographie. Alors, avec mon oncle, comme j'ai bégué, ça me donne la honte. Parce que dans les lieux de cérémonie, pour aller prendre une photo, il y a beaucoup de personnes. Mais il faut parler, il faut causer avec les gens. Comme j'ai bégué là, je n'étais pas trop content comme ça. Après, maintenant, j'ai vu que la sosoko là, bon, c'est pas trop pour moi comme ça. J'ai fait la sosoko, puis maintenant, entamer l'élevage. Les gens ont dit que non, moi, je dois venir demander des semaines à faire, voilà, un mois ou deux mois à faire pour pouvoir subvenir à mes besoins. Et il y a un moment, tous mes amis m'ont abandonné. D'amener le compte, c'était pas facile. Aïe, dégoûtant, sur la cour qu'on voit. À Thibault, tout le temps, il y a eu. Am sigiñoñi suwaye mna ke fendo fe afo ke warte o don mi fitin mi soro lani abalita kadu fengena si se barana komni i tura moko kama ki ba feni i ka ngaka debu be supporter c'est pour le mieux pour le pire. Ma première fois même d'être un peu triste dans l'élevage même, c'est quand je suis allé à Ouagadougou, j'ai trouvé qu'il y avait une cinquantaine ou centaine de mes poules qui sont morts. Sincèrement, ces jours-là, j'ai failli pleurer. Mais bon, je me suis dit que bon, si on a abandonné le travail pour ça, on ne doit pas baisser les doigts. Il faut qu'on avance. Si on a la bilibili, on a la bilibili. A tour de couvée. On a un bon moment qui apparaît la réunie. On a un bon moment qui a un mouton en pisse. C'est vrai, il n'y a pas tout le projet. Il n'y a pas tout le monde qui a financé le financement. Il n'y a pas tout. Tout a commencé ici, dans ce couloir-là, entre le mur et puis ma cousine. J'avais payé un tollback, je l'avais vendu là, en 1750, que je suis venu mettre. Puis j'ai mis une petite porte. Les volets que moi, je l'ai présentement là, la répositrice là, et son nom de 108. Et les poussins, ils sont nombre de 410. Maintenant, les moutons, j'ai un bélier et puis 4 femelles. J'ai 81 dindons, présentement, 50 femelles. Nous sommes chez moi, là où le terrain que j'ai acquis pour mon élevage, c'est une superficie de 1 hectare 600 carrés, à laquelle je voulais exploiter comme ma ferme, construire des poulaillers. Bon, ma vision dans les prochaines années, j'aimerais avoir en tout cas un grand ferme, en tout cas avec une équipe, voilà, pour qu'on puisse avancer. Parce que je suis sûr que seul, on ne peut pas aller.